Namasté les divins, les divines, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un nouveau tirage, nouvel horoscope pour le mois de septembre, hein, signe par signe. Donc comme d'habitude, pensez à liker, partager, aller voir votre ascendant. Merci aux nouveaux abonnés hein, qui sont arrivés en une semaine, plus d'une dizaine. Donc ça fait toujours plaisir voir que les vidéos vous plaisent. Donc c'est déjà pas mal. J'ai eu aussi pas mal de commentaires. Donc, dans ce nouveau tirage, il y aura aussi un nouvel oracle hein, qui s'appelle l'oracle des temps mécaniques, qui est assez puissant, assez fort. Sinon, sur le plan global, général, pas mal de changements dans tous les signes. Hein, ça va être assez puissant. Alors, je ne sais pas si des événements vont se produire, hein, vu la situation, hein, sans vouloir faire quoi que ce soit. Mais vous pouvez toujours aller voir la vidéo de signe par signe pour justement les énergies de septembre, hein, ça vous permet de voir s'il y a des corrélations avec ce nouveau tirage. Et également, il y a la vidéo sur les énergies de la France jusqu'à la fin de l'année, hein, donc qui ne dure pas très longtemps. Mais ça peut aussi expliquer tous ces gros changements, toutes ces mises au point. Il y a vraiment un côté de purification dans pratiquement tous les signes. Il y a vraiment ce désir de fonctionner autrement, de plus être dans le paraître, mais dans l'être. Hein, et c'est assez puissant dans tous les signes. Hein, c'est assez, assez phénoménal. Et bon, on retrouve une certaine continuité. Donc, je pense qu'il y a peut-être, sur le mois de septembre, peut-être des énergies, des vibrations, des actions qui vont faire que, un petit peu, peut-être vous provoquer, pour agir. Hein, vraiment, il y a vraiment peut-être... la provocation, hein, je veux dire, quels que soient les événements qui vont vous pousser justement à prendre des décisions, à mettre des choses en place que jusqu'à maintenant, peut-être que vous hésitiez. Et là, c'est franchement, ça va être un mois de décision hein, automatiquement. Et c'est assez assez puissant et assez phénoménal pour pas mal d'entre vous. Hein. Donc, écoutez, comme d'habitude, likez, partagez, laissez-moi des commentaires. Et peut-être, est-ce que vous aimeriez que je fasse certains thèmes, aborder certains thèmes avec le tirage de cartes, avec la guidance. Donc voilà, écoutez, bonne écoute, hein, justement, bonne vidéo, et à très bientôt. Namasté. Namasté les Capricornes, j'espère que vous allez bien, et que vous êtes prêts à écouter, à suivre cet horoscope pour le mois de septembre. Hein, donc... à titre d'information, vous avez aussi la vidéo spéciale rentrée septembre hein, pour les Capricornes également. Donc vous pouvez aussi voir cette ancienne vidéo qui a été faite il y a 8-10 jours. Donc ça vous permet quand même aussi peut-être de faire des rapprochements entre les 10 vidéos, voir s'il y a des synchronicités. Et il y a peut-être des compléments d'informations et vous pouvez en faire de même pour votre ascendant. Donc, on y va. Première carte, comme d'habitude, ambiance générale, on va dire. Changement. Décidément, on est en plein dedans. Je ne sais pas ce qui va se passer au mois de septembre. Hein. Vous pouvez aussi voir la vidéo que j'ai faite, justement, sur les énergies de fin d'année sur la France. Hein. C'est une petite vidéo qui ne dure pas très longtemps. Hein. Et donc là, on est vraiment... Je ne sais pas s'il va y avoir un événement particulier, parce que dans pratiquement tous les signes, on est dans cette idée-là, on est dans cette énergie-là. Hein, donc, je ne sais pas si il va y avoir quelque chose qui va se passer de particulier, hein, notamment au moins en France. Mais il y a vraiment comme si les gens étaient poussés à reprendre des décisions, à remettre des choses en cause. Hein, et ça, je vous dis, on le trouve dans tous les signes. Ça fait un peu comme après la période du coco, où justement des gens ont réalisé que métro, boulot, dodo, ça suffisait et qu'il fallait vivre autrement, hein, qu'il n'y avait pas que ce côté-là, que le côté matériel, que le côté financier, même s'il a son importance. Hein, donc, mais là, je ne sais pas, il y a encore autre chose, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose encore qui arrive et pousse les gens, et bon, notamment vous, le Capricorne, à faire du changement. Hein, donc il y a vraiment, alors ça peut être aussi bien sur le plan professionnel, personnel, amical, sentimental, hein, on va voir ça si on a plus de précision par la suite. Peut-être, oui. Avec la carte de l'oracle des filles, vous avez la vie amoureuse. Alors, c'est peut-être de ce côté-là qu'il va y avoir du changement. Votre question repose sur votre vie sentimentale.
qui était en train de s'améliorer. Donc, vous voyez, alors, après, il faut prendre ça au, j'irais au sens général, parce que bon, voilà, tous les Capricornes ne sont pas dans la même situation sentimentale, mais je pense qu'il faut prendre ça sur le plan relationnel, émotionnel. Donc, ça peut très bien être au boulot, hein, avec les collègues, les employés, les patrons, ou qu'avec les amis, qu'avec la famille, proche ou moins proche, hein. Il y a vraiment, il y a peut-être, voilà, une, vraiment une, comment dire, une sorte d'envie, de désir pour vous, peut-être comment dire, de diriger les choses autrement. J'ai l'impression de prendre des décisions d'une autre façon sur le plan relationnel. Et peut-être faire en sorte qu'on vous écoute peut-être plus, qu'on tienne plus de votre avis, de vos, comment, de vos idées, des trucs dans le genre, hein. Donc c'est vraiment par rapport aux autres, hein. Ensuite, vous avez eu bah, le capitaine avec maîtrise, vous voyez, et ça confirme ce que je viens de vous dire, où vous avez vraiment ce désir un petit peu de mener votre barque, votre bateau, hein, pour faire allusion au capitaine. Il y a vraiment, vous avez vraiment ce désir et donc vous allez prendre sans doute des décisions. Vous allez peut-être mettre des choses en place, hein, après, j'irais presque tant pis pour les autres, mais là, vous voulez vraiment être votre seul maître à bord, entre guillemets, être votre souverain, je vais vous le dire, ou votre souveraine dans votre royaume, hein, il y a vraiment ce côté-là de peut-être d'arrêter de dire oui quand vous avez envie de dire non, et peut-être aussi, après tout dépend du, je vous dis quel que soit le domaine, peut-être arrêter comment dire, de vous faire diriger, peut-être qu'il y a peut-être un ras-le-bol à ce niveau-là, hein, et donc vous voulez vraiment être maître à bord. Et c'est une très bonne chose puisque justement, ça vous permet de faire, comment dire, plus confiance à votre intuition, à votre enfant intérieur, de réagir avec le cœur et automatiquement, ça vous mènera où vous devez aller, hein. Ensuite, vous avez eu le menhir, la force. Vous voyez, il y a vraiment, c'est vraiment quelque chose d'assez puissant. Alors bon, pour certains d'entre vous, je pense qu'il y a peut-être des réactions, des décisions, des changements assez radicaux qui vont se passer, qui vont se produire. Hein, mais en même temps, vous sentez en vous un hein, côté avec le menhir, il y a vraiment le côté comment dire ancestral, bien ancré dans la terre. Donc il y a vraiment ça qui vous fait qui vous donne votre force. Je veux dire, vous avez fait de toutes vos épreuves ou de toutes vos expériences une force justement, et ce qui va vous permettre de favoriser ce changement. Il y a vraiment, puis en plus, il y a vraiment cette j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette volonté d'en finir avec une certaine situation, une certaine façon de fonctionner. Hein, et être plus en adéquation avec vous-même. Donc après, comme dirait l'autre, qui m'aime me suive, hein, je dirais. Ensuite, donc avec le nouvel oracle, vous avez eu la corne d'abondance. Vous voyez, en plus, ça vous réussit. Je veux dire, à partir du moment où on lâche prise sur certaines choses, ce qu'on désirait ardemment et puis qui n'arrivait pas, le fait de lâcher prise à ce niveau-là, ça vous permet justement de libérer des énergies, de libérer de la place, entre guillemets, pour justement faire place à du nouveau, du renouveau. Hein, il y a vraiment et là on voit bien que c'est ça. Moi je ressens l'abondance à tous les niveaux, hein, parce que justement vous êtes maintenant dans un autre état d'esprit, un autre état d'âme qui vous permet justement de vous libérer de pas mal de choses, d'où le changement. Ensuite, bah, voyons, vous avez eu l'éléphant. Donc il y a vraiment ça rejoint, je veux dire, moi j'ai l'impression d'avoir la même force qu'avec le menhir. Hein. Franchement, il y a vraiment ce côté de position de chef, mais en même temps, il y a comme s'il y avait des choses anciennes qui remontaient ou qui vous motivaient. Il y a vraiment quelque chose comme si, alors ça peut être transgénérationnel, hein, si on veut, mais ou alors d'anciennes vies, de vieilles incarnations, si on peut dire ça comme ça, hein, et qui sont, j'ai l'impression que ça, que ce genre de vibration, ce genre d'énergie-là, en train de remonter, et justement pour vous pousser à agir, à aller vers ce fameux changement que peut-être que vous attendez depuis longtemps. Hein. Donc il y a vraiment une force en vous là, et ça c'est assez puissant, hein, aussi bien dans les cartes que dans les images là, dans ce que je ressens. Il y a vraiment, je veux dire, vous allez, entre guillemets, casser la baraque, mais dans tous les sens du terme, mais dans le côté positif, évidemment. Hein. Il y a vraiment une volonté accrue chez vous et fini la soumission, fini les ordres. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez tous démissionner ou que vous allez tous quitter votre chouchou avec le loup, mais il y a vraiment, vous voulez, comment dire, affirmer votre place, mais dans le bon sens, hein, pas je me la pète ou quoi que ce soit.
ou je suis supérieur aux autres. C'est pas du tout ça. C'est vraiment, non, je suis là en tant qu'être humain. Je suis là en tant qu'âme. Hein, je suis là en tant qu'énergie céleste. Ce en quoi vous avez la foi. Hein, il y a vraiment ce désir-là. Vous voulez vraiment être plutôt que paraître. Et c'est assez, il y a une détermination assez puissante. Hein. Ensuite, vous avez lu médecine. Vous voyez, c'est comme une sorte de guérison. Je ne sais pas ce qui va se produire. Je ne sais pas ce qui va faire, qui va être le déclencheur. Alors, ça peut être une phrase, une chanson, une situation avec les voisins, une situation avec l'employeur ou autre. Mais il y a vraiment quelque chose. C'est en même temps, il y a une sorte de guérison. C'est peut-être quelque chose que vous traînez depuis longtemps et qui, entre guillemets, dont vous en avez marre. Hein, il y a vraiment peut-être une saturation que une certaine situation de certains événements n'ont plus lieu d'être puisque pour vous, vous avez tourné la page pour certaines choses et donc vous voulez vraiment passer à autre chose parce que c'est une sorte de, en même temps, ce changement, c'est une guérison, hein. Il y a quelque chose peut-être qui, un boulet que vous traîniez depuis un petit moment, hein. Comme je dis, aussi bien transgénérationnel que karmique, mais bon, voilà. Mais il y a vraiment, en même temps, il y a le côté de la guérison, ça va vous faire du bien, ce changement. Parce que vous allez être vraiment vous-même. Ensuite, donc, on va passer un petit peu au côté sentimental, relationnel, émotionnel. Bon, comme je dis dans toutes les vidéos, alors, ceux qui les regardent presque toutes, ils vont. Mais ça peut pas parler à tout le monde, entre les célibataires, les couples, les troubles. Mais là, c'est surtout le relationnel global, général, avec aussi bien la famille que le côté professionnel que privé, hein. Donc, première carte, bah, comme par hasard, bonne volonté. Je vous dis, il y a vraiment quelque chose de très hard, hein, dans vos décisions, hein. Vous êtes capable de faire des compromis si le résultat ultime est l'amour. Vous voyez? Alors, des compromis, en même temps, j'ai l'impression, j'entends aussi pas de concession, quoi. Je veux dire, je veux bien t'aimer, je veux bien que tu m'aimes, mais bon, voilà, il faut que ça soit équilibré, hein. Il y a vraiment ça. Et en même temps, il y a quand même un côté où, ben, moi, je veux ça et rien d'autre, quelque part. Mais vous allez aussi savoir vous adapter, selon la situation, hein. C'est pas tout le temps donner un coup de poing sur la table en imposant certaines choses et devenir tyrannique, c'est pas du tout ça. Mais vous êtes déterminé, il y a des situations où peut-être que des gens profitaient de vous, hein, par votre gentillesse, etc. Et que là, bon, bah, fini de qu'on vous prenne pour un con ou une conne. Hein. Je pense que c'est surtout ça aussi. Ensuite, on continue. Habitude, routine, lassitude. Alors, n'ayez pas peur de l'image. Surtout qu'il y a des belles roses avec. Non, voilà, je pense que ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Ça va être la fin d'une période, c'est-à-dire que fini la routine, fini les habitudes, fini la lassitude, vous voyez, sur le plan relationnel, émotionnel, vous voulez vraiment être en adéquation avec vous-même et automatiquement avec ceux qui ont les mêmes vibrations, qui ont les mêmes énergies que vous, sur le plan sentimental et émotionnel et relationnel. Voilà, c'est-à-dire ceux qui sont toujours dans la critique, et ça, on le retrouve dans pas mal de signes, donc je pense que c'est un petit peu dans l'air du temps. Que tous ceux qui critiquent, qui sont jamais contents, il pleut, ça gueule, il pleut pas, ça gueule, voilà, le ciel est bleu, ça gueule, la viande est trop cuite, les carottes sont trop oranges, enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein, ce genre de personnages qui sont jamais satisfaits. Donc là, ça va être vraiment au niveau de votre relationnel, ça va être basta, ça va être cassez-vous, vous avez plus rien à faire avec moi, hein. Je pense, voilà, c'est aussi hard que ça, mais en même temps, c'est votre cœur qui parle, quoi. Hein, je veux dire, faut que ça soit dans les deux sens la même chose et fini le côté pessimiste, le côté non positif, quoi. Ensuite, bah, voyez, nouvelle relation. Vous voyez ça, et c'est des cartes, c'est des jeux de cartes différents. Et il y a bien cette continuité-là. Vous voyez, à partir du moment où vous allez faire basta à ceux qui vous plaisent plus, hein, que ce soit dans le boulot, la famille, les amis, automatiquement, c'est remplacé par d'autres. Hein, je veux dire, quand on fait du ménage comme ça, c'est toujours pour nettoyer, pour purifier. Pour que ça soit remplacé, mais par quelque chose de meilleur. De toute façon, vous pouvez pas, si vous êtes au niveau 3, vous pouvez pas retrouver du niveau 3, du niveau 2. Ça a automatiquement 4, 5, 6, 7, etc. Hein. Donc là, sur le plan relationnel, c'est pareil. Et on termine par l'oracle des réponses angéliques. Donc vous pouvez vous poser une question, sinon, il y a quelque chose de mieux. Donc vous voyez, vous êtes vraiment, en même temps, c'est comme c'est la dernière carte, c'est vraiment comme si c'était une carte d'encouragement. Pour vous dire oui, vous êtes sur le bon chemin, oui, vous agissez comme il faut. Voilà. Voilà pour vous les Capricornes. Eh ben, bon septembre. Namasté.